Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko, émission moko spéciale sur l'EAC. EAC, cahier de charge Bandeko, le nom de la vérité, bimia ko sakanate. Cahier de charge, ba yokana kina mokonza mboka. Et ça la ki a solo, pour na kwa attaque M23. Ti le lezo leke la bakonzi, ndeni ba mba kome na terrain, ba changer langage, ba komo koopere na M23, ba linsu kwa attaque iti. Est-ce que ça là qui va chez na bango? Pourquoi biloko n'ego? Donc tout à la biloko na, au moins on a clairement été bandeko. Et ce ça la propriété. Parce que bango ba yebi été situation oyo. Et ça peda mawatro. Alors, et mona qui te bango il faut ba kende. Départ na bango ba luana me bango moko ba e ase bazo regreti. Fache explique ka akota ikune zagi te po ba ya gere pa na biso. Le rakote ikune zagi pon ekonomi. Si bitma makambo a inventre kui ba singi ed na bomba ya. Me batango pe ba ye pa na biso. Bango le même batu bazo bunisa biso. Ne facha zaki na bulu kuna te facha ibae kaki na yepo ni ekonomiki mili kama kweli nga bamba hii donc en tout cas c'était comme ça. Alors bango bakomi bakomo koopere na mona M23 yao mokonza moko ayeko explique ba kongole boko landa ye ke decision wana eza decision mo parce que miskaye de charge ya Luanda nana nde toyokana kisa bongo te. Do bango ba yeba changer na bango ba linsu ko attaquer bango te. Ya mokonza mboka du décision ke ba quitter les sols congolais. Immédiatement. Ya mon ba bali ko kanga ba bagage. Mawatru. Tola na départ na bango et puis to ka fachi. Bon to avance. Bonjour. Retrait des troupes de l'EACRF sur le territoire congolais. Environ 900 éléments du contingent burundais ont quitté Goma ce week-end. Ils ont emboîté le pas au contingent kenyan et sud-soudanais. Ce départ des troupes burundaises s'aligne sur le plan de sortie décidé par les chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC lors d'une réunion extraordinaire du 6 décembre 2023 à Arusha en Tanzanie, rappelle le commandant de l'EACRF. Des détails avec Bernard Denyangi. Le commandant de la force régionale de l'EAC, le général de division Afaxar Kiougou et ses adjoints ont rendu le dernier hommage à ces éléments du contingent burundais avant qu'ils ne prennent leur avion pour le Burundi hier dimanche à l'aéroport international de Goma, révèle le compte X officiel de cette force. La même source précise que c'est plus de 900 soldats du contingent burundais qui ont quitté le Nord Kivu hier, les uns via l'aéroport international de Goma et les autres accompagnant leurs composantes logistiques par la route. Pendant un an de présence, les militaires burundais avaient leur base à Sake, dont une partie a été déployée à Mushaki et sur l'axe Kilolirwe, Kichanga et Mweso dans le territoire de Masisi. Le commandant de la force régionale argumente que cette présence avait permis au FRDC et au M23 d'observer le cessez-le-feu qu'ils ont maintenu jusqu'à sa rupture en octobre 2023. Rappelons que le contingent burundais est le troisième à quitter la RDC après le Kenya et le Soudan du Sud, qui ont déjà retiré respectivement plus de 250 et 300 soldats. Les éléments qui restent encore sur le terrain, y compris le contingent ougandais, ont jusqu'au 7 janvier 2024 pour regagner leur pays respectif. Ils allaient maintenant intégrer le processus de DDRCS. Malheureusement, ils n'ont pas exécuté cela, alors que dans le cahier de charge, on parlait clairement de la contrainte au cas où les terroristes du M23 n'obtempéraient pas. Et au lieu de cela, les forces, les contingents de la force de l'Afrique de l'Est se sont contentés de cohabiter avec
ces gens dans les localités qu'ils avaient occupées et sans du tout aucune répression vis-à-vis. Donc comme si la vie était normale et qu'ils traitaient avec une armée régulière. Alors que les Burundais, qui faisaient aussi partie de cette force, eux avaient un comportement totalement différent. Chaque fois qu'ils les trouvaient dans une localité, ils les délogeaient, ils en arrêtaient si c'était possible, et ils les livraient à la justice. Donc, vous voyez qu'il y avait un comportement dichotomique dans cette force de l'Afrique de l'Est qui nous a poussé finalement à dire clairement à ces pays frères de nous laisser tranquilles avec nos problèmes, puisqu'ils ne savaient pas les résoudre. Alors, ils devaient nous laisser les résoudre tout seuls. Est-ce qu'on peut dire que les comportements des forces de l'EAC à l'est du pays a remis en cause notre adhésion à l'EAC? Est-ce que vous regrettez d'avoir amené le pays dans cette zone-là? Merci beaucoup d'ailleurs de poser cette question. Je continue de le dire, je ne regrette pas du tout. Parce que je n'ai pas fait cette adhésion, je n'ai pas souhaité cette adhésion à l'EAC pour faire la guerre ou pour avoir le soutien de ces pays, de ces pays voisins pour faire la guerre. Non, c'était surtout pour des raisons économiques. Il y a un pan entier de la population congolaise, celle vivant à l'est, au nord-est, qui dépend économiquement du commerce avec l'Est, avec l'Afrique de l'Est. Et les importations dans cette grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo se font via les ports de Dar es Salaam et de Mombasa entre autres. Et donc, quoi de plus normal que d'avoir les mêmes avantages que les pays de l'EAC? Parce que nos opérateurs économiques étaient désavantagés. Imaginez un peu l'opérateur économique qui bénéficie des avantages douaniers et qui vit à Gisenyi. Gisenyi qui est à un jet de pierre de Goma. Mais lorsqu'il met ses produits en vente, le même produit vendu à Gisenyi a un meilleur marché que celui de l'opérateur économique congolais qui le vend à Goma. Et donc, puisque c'est la porte à côté, mais tout le monde serait appelé à aller à Gisenyi pour se ravitailler. Et ça ruine le commerce du Congolais. Donc, c'est mais plus que ça aussi. Hein, donc, l'intégration régionale, c'est quelque chose de toujours favorable pour le développement. Imaginez si on a des infrastructures qui peuvent nous permettre d'aller et venir, d'échanger des expériences dans le domaine de l'éducation, de la recherche. Aujourd'hui, on parle du numérique, dans la téléphonie mobile. On peut avoir une même zone. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans une organisation régionale qui, moi, m'avait attiré parce que je trouvais que c'était très intéressant. On a des pays performants comme le Kenya qui a une économie florissante, de la Tanzanie, etc., des gens qui pouvaient nous donner ces expériences, et voilà. Donc, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire, et qu'on peut toujours faire, je ne regrette pas, et malheureusement, bon, la conjoncture a fait que, bon, il y a des dirigeants qui sont là, qui ne comprennent pas les choses comme nous les comprenons. Bon, c'est une conjoncture, ça passera, et... Alors, bande kotolandi bisonyonso ndenge bakendeki Burundi kutu une partie batikali bazana sake ba na faire des ensemble bo batikala bazana ensemble la bisote do mawato alors bango kutu ba osala bulumo a bien mukonza mboka kote li bango Burundi pena osala bulo nae me bo batika Kenya na Uganda na Sudan ba okipita Uganda penande somo azui bango pena ba masa na ye bazo kosakana kobeta masolo bazo be clairement to ko attaquer bango te bazo bande kona biso donc mon ba nilotique baba tu mo très compliqué alors ba kutane ba nilotique bango na bango alors moi ma watro alors bande ko to landi le chef de l'état il était clair ta guerre à l'est biso mo to sauver mboka na biso yango ba Congolais botelema bola muka po guerre eza guerre mo très compliqué guerre asymétrique ce qui to telemi po komona pena ke oui makambo za kitoko mais oyo nyonso oyo ndenge to landi
En tout cas, pays na biso, so bolana ke mission à Congo News 24, pays na biso ezama watu. Parce que c'est ça mawa, enclavé, facha sali, tout ma relation. Tout. Mais, à keneki EACT po ba ya bitumbe pa na biso. Ya kene po l'économie, mais ma kamou kwe li biso, ya on tina ba on ba ya ki. Zomona, alors, pour na ko kontrole avancement ya ba rebelle. Ba on ba ye changement pe ne zala ki penate. Basa on sala tende ba, okara ki la kaye de charge à loi. Mokonzi atye ba on ganda. Ndeko ba force on yon soutan ba okite mboka, na monosko bango tout moko mona ces pays ko changer moko zamboka du ba décision makasi pona ko benga na bango c'est fini na pays na chez chuté biso moto simba moko na biso monosko gumeli tellement trop ba komi ko sala ba ka moko donc ma wa trop ba américain ba zo recruter ba français tout le monde na ba décision oyo et de ce bazu. Mais tu félicites Fatih pour nous. Alors, bande ko ba vérité mo ne bimi. Et ase ba sa na bango le côté. Ba sa ko aider na bango bi sauter. Donc il n'y a rien. Bisou moto zo bunda pour nous. Maintenant, amena ce qu'on a makasi, Fatih bien en tout cas boké na bino. Parce à quoi sert to gagner bino, makam to yokane ki bo salati. To benga bino pour aider bo kokité bokende. Alors, bana mboka to landi biso nyonso. Le chef de l'État tu veux qui départ à EAC, tu veux qu'il n'y a pas de Burundi. Alors, tu comment tu as analysé, au revoir EAC, au revoir Namonosco. C'est assez pour te clôturer mission. Bon, continue à s'abonner à la chaîne massivement. Bon, partager. Au revoir. À la prochaine.